Dans les colonnes du tabloïd The Sun, un proche de la famille royale britannique a fait quelques révélations sur l'un des nouveaux passe-temps du prince Louis. Âgé de 5 ans, le fils cadet de Kate Middleton et du prince William fait fondre les fans de la royauté. Le prince Louis est le fils cadet de Kate Middleton et du prince William. Le jeune garçon de 5 ans attire tous les regards. Il aurait une nouvelle passion très amusante. Depuis qu'il est en âge de participer à quelques événements royaux, le prince Louis, le fils cadet de Kate Middleton et du prince William fait l'unanimité. Tout le monde se souvient de ses grimaces ou de ses grands gestes lors du jubilé de la reine Elisabeth II. Vendredi 6 octobre 2023, un initié de la cour royale s'est confié dans les colonnes du tabloïd The Sun. Selon ses déclarations, le petit garçon âgé de 5 ans aimerait passer du temps dans les jardins du domaine du château de Windsor. S'il aime courir comme tous les enfants de son âge, ce qu'il adore par-dessus tout, c'est jouer avec un jeu qui lui permet de se déplacer de manière originale dans le parc de 40 hectares du domaine. En effet, le petit frère du prince George et de la princesse Charlotte aime beaucoup jouer avec sa voiturette électrique. Il utilise les sentiers qui traversent Frogmore Gardens comme une piste de course et c'est une zone complètement privée. Ainsi raconté dans un premier temps le proche de la famille royale britannique. S'il y a encore quelques mois c'était l'un des endroits préférés de la reine pour se promener avec ses chiens, aujourd'hui, ce sont le prince Andrew et Fergie qui y vont avec les corgis. Cette partie du château serait calme et éloignée du public, donc idéale pour le prince Louis a encore affirmé l'initié du prince et de la princesse de Galles. Le prince George aurait la même passion que son petit frère, le prince Louis seulement, le prince Louis n'a pas été le seul vu en train de jouer avec la voiture électrique dans les jardins du château de Windsor. Le futur roi d'Angleterre, le prince George, aimerait aussi jouer avec. Si le prétendant au trône avait dans un premier temps eu un petit tracteur motorisé, il préfère aujourd'hui jouer avec une mini-voiture emblématique, qui a appartenu dans le passé au prince Harry et William, une Aston Martin V8 volante qui peut tout de même atteindre les 32 km/h. I just need